Salut les amis, ici Chris, on se retrouve pour le troisième coffret de la collection Paldea avec Chouchou Deal et donc avec la carte promotionnelle de Chouchou Deal en fin de compte et donc les deux autres cartes qui font partie du set. Donc, présentation, Chouchou Deal, collection Paldea, Chouchou Deal avec le pins qu'on verra plus en détail. Je vous laisse faire pause pour lire, partez pour une nouvelle aventure avec Chouchou Deal et ses amis. Donc, on va s'ouvrir ça de suite. En espérant qu'il soit mieux que les deux coffrets précédents. Décidément. Super bien collé. Hop. Hop là. C'est fait. Avec la carte jumbo de Coridon. Hop, que je fais des bêtises. Tac. Je vais retirer les cartes. Et là, encore, ils m'ont mis deux plastiques pour tenir les cartes promo. C'est du gâchis. Monumental. Tac. Et donc, Chouchou Deal, c'est bien la carte promotionnelle numéro 2. Si on voit bien, s'il veut bien se faire le focus. Voilà, la carte numéro 2. Et donc, comme d'hab, les deux autres cartes sont des cartes qui font partie du set. Hop là. On va les mettre là. Et nous avons le pins. Sympa, comme d'habitude. Tac. Et donc les quatre boosters. Deux tempêtes argentées, un point de fusion et une évolution céleste. Hop, on va zoomer. Et on va commencer l'ouverture. Fulgudog. Il s'ouvre facilement le booster. Le code pour vous, les amis. Avec une énergie de type plante, non, énergie combat. Énergie combat. Scout. Gros doudou. Hexadron. Evoli. Morpeko. Coquillasse. Voltorb. Feuillajou. Nous avons Gripat en commune reverse. Et on termine avec une simple rare de Zeraora. Donc rien d'exceptionnel dans le booster de points de fusion. Décidément, c'est pas ça. Hein. Hop. Régidrago. Une tempête argentée. On tire le code sans me spoil, comme d'habitude. Et on y va avec une énergie de type feu, non, énergie électrique. Énergie électrique, ouvrière, Eliatron, hôtel primordial, Méditica, Fermite, Tersal, Passe rouge, Mini Draco. Ah, je suis parti trop vite. Rocabo carte TG que je n'avais pas, qui va rentrer dans le set. Et est-ce qu'on fait le doublé? Non, on fait pas le doublé, mais clic et clic. Par contre, je n'ai plus de sleeve. Hop, c'est pas grave, je laisse livrer après. Donc c'est bien. Carte TG, très jolie. Rocabo qui fait dodo. Ça va. Allez, Lugia.
Dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez eu dans vos ouvertures. Hop. Le code pour vous, les amis. C'est parti. Avec une énergie de type psy. Non, énergie combat. Énergie combat. Bayard. Liputu. Altaria. Nous avons Furiglon. Goupix. Soporifique. Caninos. Feu Forêve. Nous avons Tarsal en commune reverse. Et nous avons une belle carte, les amis. C'est une carte Vestar. Et nous avons la carte Vestar de Regidrago Vestar. Que ça ne me dit rien que je l'ai. Certainement une nouvelle carte encore à mettre sur le set. Donc ce coffret est plus généreux que les deux coffrets précédents. C'est monté en crescendo, on va dire. Et donc le dernier, Évolution Céleste avec Rayquaza en artwork. Tac. Je retire le code sans me spoil. De toute façon, je me spoil pas vu qu'il n'y avait pas encore le jeu des contours. Alors, une énergie de type psy. Non, énergie eau. Énergie eau. Caverne de cristal. Ursaring. Bagaïde. Soloshi. Chlorobule. Lupio. Passe rouge. Love Disc. Nous avons Aquaquack en peu commune reverse. Et on termine avec une simple rare de Mastouf. Décidément, les évolutions célestes hein, donnent pratiquement rien. Alors, sur ce, les amis, petit récap time. Là, il y a un petit récap time quand même. Nous avons eu la carte TG de Rokabo. Voilà. Et la carte V-Star de Regidrago. Très sympa. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Droppez de belles cartes. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Vous connaissez la musique. Allez, je retiens pas plus longtemps. Bye bye.